Bonsoir, 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 mes deluxe, bonsoir. Bonsoir, je vous reviens ce soir dans ce petit direct pour vous montrer différents modèles de vestes que vous pouvez confectionner en pagne parce que il y a pas mal de demandes que j'ai eues dernièrement. Déjà qui me pose des questions, Lucie, écoute, je vois bien que je peux t'acheter un pagne, mais qu'est-ce que je vais en faire? Je porte pas les pagnes, moi. Qu'est-ce que je peux en faire? Mais écoutez, les dames, il y a plusieurs façons de porter les pagnes, il y a plusieurs façons de porter du wax ou du Java, parce que par exemple, le pagne que je porte maintenant, c'est un pagne Java. Vous voyez qu'il est un peu dur. La texture de ce pagne est un peu dure, épais. Ces pagnes-là sont faits pour confectionner les vestes, ce genre de veste que vous pouvez porter avec un jean. Vous voyez là, je porte un jean, cantonné au-dessus. Une veste comme ça. Fait en wax, c'est vraiment du waouh. Je trouve que c'est très joli. Une veste faite en pagne, quoi. Vous voyez, c'est pas mal du tout. C'est le but de ce live ce soir. J'en ai quatre ou cinq différents modèles à vous montrer. Comme ça vous donne les idées de ce que vous pouvez confectionner dans vos pagnes. Si jamais vous passez vos commandes auprès de Deluxe, de pagne, vous pouvez vous confectionner des vestes ou bien vous pouvez aussi faire recours à nous pour que mon tailleur puisse confectionner les vestes pour vous. Ça serait pas non plus mal que vous nous confiez vos tissus, vos pagnes pour la confection des vestes. Voilà, nari ndimo mbabwira ko nari mbakoreye live uyu mugoroba kugira ngo mbereke modèles zitandukanye mushobora kudoda mu bitenge, kuko hari benshi bambaza bati service on voit bien où tushobora kukugurira ibitenge, ariko se tuzabidodamo iki, tuzabikoramo iki? Nagira ngo mbereke ko ushobora kugura igitenge swate ukakidodamo ikanzu cyangwa ukakidodamo iribaya n'igitenge cyo gukenyera cyangwa se ukagikoramo veste wambarisha jeans abakunda kwambara amapantaro. Ushobora kwambara jeans yawe gutya nk'uko nabigenje uyu munsi. Uyu munsi niriwe nambaye ipantaro kuko nyine je pouvais pas faire autrement. Des fois on n'a pas le choix. Et puis warangiza ugashyiraho bote yawe, warangiza ugashyiraho veste en wax quoi, en pagne. Murabona ko atari bibi. Iki ni igitenge, ça c'est du pagne. Ni igitenge bandodeyemo une veste, on a vraiment c'est pas mal du tout, c'est pas mal du tout. Moi j'aime bien ce style, c'est très joli, c'est très joli. Namwe murambwira uko mubibona. Ndabizi neza ko abenshi ntago mukurikira live uko muba muri mu mirimo, ariko kubera ko ya moyen d'en faire une vidéo que je mets sur YouTube et que les gens puissent regarder par après. J'ai pas mal de commentaires qui m'en viennent, soit par WhatsApp ou les appels, parce que sur mon YouTube, il y a aussi mon numéro de téléphone, et alors ça fait que les gens ont la facilité de pouvoir me contacter. Au Guerrero, il y a un modèle, 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 murabona ko c'est pas mal, c'est pas mal. Iyi moderi abayishaka bashaka kuyidodesha swati, mushobora kunkoraho komande y'igitenge mukidodeshereza, cyangwa se ushobora kuma komande y'igitenge ukamana mu komande yo kudodera mutayeri wanjye akakudodera. Et puis icyo nkeneye gusa ni mesure, ubundi tugatanga iyo komande yo kudedera bikaza ikoti ryawe rikazaza ridoze, ubundi nka gukora livrezo yaryo. Murabona ko c'est pas mal, c'est pas mal. Ubwo namwe muri commentaire murambwira uko mubibona, cyangwa se mu nyuma
abari buze kuyikurikira nyuma video muri buze kumbwira uko muyibona mu nyuma muri swipe par WhatsApp cyangwa se bukuveme mu mapele. Voilà, iyi ni modeli ya mbere rero nari mberetse, hari indi ya kabiri nayo ngiye kubereka. Iyi ngiyi ni modeli ifite igipesu kimwe ushobora gufunga gusa cyangwa se ukayambara meme degage gutya nk'uko unyambaye hadakonje hasa nk'ahashyushye nk'aya mezi ugiye kwinjiramo ça va faire un peu chaud et puis tu dégages juste pour le style tu m'ingènes et puis tu mets la veste tu mets soit tes bottes ou tu mets tes escarpins comme tu veux. Voilà, il ne me dit rien dire. Moi, je préfère le porter comme ça. Je trouve que c'est joli. Porter comme ça, c'est joli. Ça donne notre rue, quoi. Ok. Kambarambari ndi ya kabiri. Ça aussi, c'était notre modèle. Le modèle suit la différence qui est, c'est un modèle croisé. Vous voyez, ah, mon petit micro, je l'embête un peu. C'est un modèle croisé, vous voyez les boutons. Soit vous pouvez opter pour fermer le manteau, ou bien vous laissez aussi dégager comme vous voulez. Vous pouvez le porter de plusieurs façons, c'est vous qui voyez. Voilà, on a une veste igera hasi. Vous voyez, uyu munsi ni umugoroba wo kubereka les modèles en veste. Ce soir, j'ai opté pour vous montrer. On ne va pas dans les basins ou les pagnes, les baïas. Non, aujourd'hui, c'est juste pour vous montrer les différents styles de veste que vous pouvez confectionner, les pagnes, que ce soit du wax ou du java. Mais moi, je préfère le pagne java parce que il est épais et ça fait que le veste est bien fixé quoi. Vous voyez, ça tombe pas, c'est bien fixé, donc ça donne style à veste quoi. Vous voyez, c'est très joli, c'est très joli. Vous voyez, à porter sur un jean, c'est pas mal du tout, c'est pas mal. Vous voyez, c'est pas mal, c'est pas mal. Voilà, je suis en jeans aujourd'hui. Et tu mets ta veste, une petite botte. Vous voyez, je suis en botte aujourd'hui. Voilà, le style est à hiver parce qu'on est en plein hiver ici. C'est pas encore le beau temps. Il faut se couvrir quand même, je trouve. Voilà. Donc, n'hésitez pas à confectionner des vestes parce que j'ai l'impression que les gens n'ont pas n'aiment pas faire confectionner les vestes dans les pagnes, donc ils se disent c'est peut-être pour faire que les robes ou bien des tenues des pantalons et une petite chemise, mais il y a aussi moyen de faire une veste en basin ou en wax ou en pagne Java. Moi, je vous conseille, personnellement, je vous conseille le pagne Java. Je vous conseille de faire les vestes en pagne Java. C'est une sorte de pagne qui s'appelle Java. Donc, avec le Java, et ça fait la différence parce que le pagne est bien épais. Et ça se fixe facilement. C'est quand tu portes le veste, la veste, ça tombe pas. Quand tu portes la veste, ça, c'est pas tombante. C'est bien fixé comme ça doit. Une veste doit se porter quoi. Vous voyez vous-même, c'est pas tombante. C'est très joli. C'est très joli. C'est très joli. Voilà. Vous me dites vous-même comment vous trouvez ce style de veste. Pour moi, c'est l'idéal. Pour moi, c'est l'idéal. On a plus tendance à aller chez Zara ou H&M,
je sais pas, un peu partout à aller ramasser les vestes, mais on peut se faire confectionner nous-mêmes les vestes en basé, en soie, pardon, en wax et en pagne. Et ça fait la différence. On doit prioriser notre culture, on doit prioriser nos produits, on doit prioriser nos tissus. On est des Africaines, alors pourquoi aller prendre ailleurs alors qu'on a des produits, on a nos propres produits? Kuki tugomba kujya kugura ibintu hanze kandi dufite ibintu byacu, dufite ibitenge byacu. Ndajya gutanga amayeri ijana chez Zara, amayeri ijana mirongo itanu chez Zara, alors que je pourrais payer un pagne et nkayidodeshamo veste nziza nk'iyi ngiyi, nkayambara, nkashyiraho un foulard bien assorti, un jean bien assorti. Voilà, et alors, au lieu de faire pareil, on va mettre l'argent chez Zara, je sais pas, ou chez H&M, les dames, vraiment, écoutez, il faut qu'on commence à changer nos mentalités, il faut qu'on commence à s'adapter à notre culture. On est un peu décalé, que le temps passe, plus on reste en Europe, on est décalé, j'ai bien l'impression qu'on est vraiment décalé. On pense à l'européenne, on fait tout à l'européenne, on s'habille à l'européenne, mais on oublie notre valeur, on oublie nos valeurs, on oublie nos choses, on oublie nos produits. C'est pas possible ça. Écoutez les dames, ndabakangurira kugaruka ku muco wacu wa Kinyafurika, twambare Kinyafurika, duteze imbere Afurika yacu, tugure produits africains, tudodeshe Kinyafurika. Kwambara ibintu by'iwacu, voilà. Ça c'est ni message ndi kubaha uyu mugoroba. Dukore twikorera, dugura produits zacu, twiteza imbere nk'Abanyafurika kandi twambara Kinyafurika. Reka mbohere nongere nambara indi manto nayo mbereke. Il y a ça aussi. Ça, c'est un autre modèle aussi. Avec ça, vous voyez, il n'y a pas les boutons, c'est juste. Faut le mettre comme ça. T'as pas besoin de fermer. Tu le mets comme ça, puis tu mets ton foulard à la sortie. Et voilà. Voilà, c'est bon. C'est aussi du Java. Vous voyez, c'est du Java. Je vais m'approcher du caméra. Comme ça, vous verrez la différence. C'est brillant, c'est épais. Ça fait vraiment des bons vestes. Ça fait vraiment. Ça c'est un beau produit. C'est un beau pagne pour faire des vestes. Ça, je vous rassure parce que moi, je suis témoin. Je l'ai vu de mes propres yeux. Je le porte et je l'ai opté parce que je l'avais bien, bien, bien repéré. Je me suis dit, waouh, ça, c'est quelque chose pour faire les vestes. Tu peux t'en faire aussi un petit pantalon assorti. Mais voilà, j'en ai aussi, mais j'ai pas pu les porter parce que je suis déjà en jeans. Des changements en plein live, c'est pas aussi évident. C'est pas évident. Voilà, iyi n'indi veste na none yo irekuye, ziriya zindi mwabonaga ko zari zoroshye zimanutse zihagaze. Iyo murabona ko iyi iroroshye cyane. Nagerageje kuyigira très évasée ku buryo kuyambara nyine c'est juste gushyiramo gusa, ubundi tu peux le croiser ou tu peux le laisser ouvert à ton aise quoi, vous voyez, à ton aise. Iyi n'indi modèle nayo ya idoze mu gitenge. Abayifuza mwese mushobora kunkoraho komande y'ibi bitenge bya Java, nshobora kubibabonera facilement, cyangwa se mukankoraho komande y'igitenge mukanywa na mesure zanyu nkabadodera, mukambwira modele mushaka. Ushobora no kuba ufite modele yindi comme tu veux ukayima, et puis nkagukorera nkakudodeshere nkakudodera kuko mfite abatayeri bankorera. Ubundi ibintu byanyu nkabibageza aho bikoze bidoze neza kandi rwose deluxe iri hano kugira ngo tubiteho, tubambike neza. Voilà, murabona ko c'est pas mal. Ok, murabibona mute, utubwire uko mubibona. Murabona deluxe ko igenda ibazanira udushya, murabibona. Voilà, c'est très joli, c'est très joli.
Voilà, ngiye kwambara indi nayo ntabwo uyu munsi live itinda kubera ko amasaha arakuze, nagira gusa nyine ngo mbereke murebe uburyo mushobora kudodamo ibitenge byanyu. Hari nayo imeze nk'igishora, murakibona, iki nacyo ni nk'igishora, ni ukwambara juste. Murabona ko uko nari mbigenje nambara, voila, ni ikintu kinini kimeze nk'igishora, ushobora kucyambara en plein hiver, parce que uyu munsi njye nacyambaye ngishyiraho vest isanzwe mo imbere, vest yanjye isanzwe ndangije nkirenzaho, c'était très joli, kiba kiri double. N'ibara rijyanye rimwe mu ibara ry'igitenge, iyo ntago ari java, ni igitenge gisanzwe. Urabibona umubiri wacyo ni igitenge gisanzwe, kuko iki gishora cyo ntago kigomba kuba ari ikintu gikakaye gihagaze gikakaye nk'uko ziriya java zimeze cyo gukoramo veste. Iki cyo kigomba kuba ari igitenge gisanzwe cyoroshye, ubundi bakagiha doublure nziza en satin ou en coton comme tu veux, ubundi bakakigira kinini ukacyambara nk'uko usohotse, ukakirenza kuri teni yawe. Soit njye nkunda kubigira gutya, ubundi nkashyiraho un petit foulard bien assorti, ou bien je peux dégager aussi, ou bien tu peux porter avec un jean, si tu peux porter avec un pantalon assorti avec les couleurs ziri muri pagne, ou tu peux porter avec une mini jupe ou une petite robe, c'est toi qui vois. Mais ça, c'est très stylé. Vous voyez, très stylé. C'est très joli. C'est très joli. Vous me dites, les dames, comment vous trouvez ça? C'est très joli. Très joli. Voilà. Urabona ko hose kiri double mo imbere, kiri double. Voilà, ça fait ça. Oui, très stylé. Mumbwire madamu iki gishora, ndabasaba kumpa komande nkabadodera iki gishora. Mumbwire rwose, munyoherereze komande zanyu tubadodere. Ok, ngiye kubereka rero igisigaye kindi cya nyuma, kuko nababwiye ko uyu munsi ntabwo turi butinde. Voilà, iki nicyo cya nyuma rero nacyo. Iki cyo ntago nta nubwo kwirwa wambara ngo urashyiramo amaboko, ni igishora gisanzwe, urakibona, nacyo kiri double. Uritera nk'ubitera igishora, ugira utya ukitera. Voilà. Gifite butoniyeri, ukayifunga, ukayifunga butoniyeri, voilà. Usohotse wambaye ikanzu, wambaye ijipo, wambaye jeans, peu importe ce que tu portes, tu peux mettre ce petit capuche comme ça. Voilà, vous voyez ça, c'est très joli. Bien assorti sur un jean, bien assorti. Voilà, vous voyez, c'est joli. Du style, une derrière pour un derrière le modèle, vous voyez. Et c'est aussi doublé, c'est doublé d'une des couleurs d'une des pagnes. Et voilà, vous voyez ça, ça vous pouvez le porter comme ça. Ça. Alors les dames, murabona ko c'est pas mal, c'est pas mal. Ubwo abifuza gukora commande y'ibitenge mukaba bakadoderwa izi modele maze kubera kuko ari eshanu, ndaza kuyikoraho video nyishyire kuri YouTube, ubwo ku buryo abashaka kuzajya bakora commande, icyo uzajya ukora uzajya uvuga uti
ndashaka gukoresha commande y'iyi veste cyangwa y'iki gishora kimeze gitya, ni ukunkorera screenshot gusa, ubundi ukajya inbox ukanyandikira ukangura uti nkorera iyi modeli ndayishaka, ndashaka igitenge iki n'iki, nkorera iyi modeli, epui voila, tugashyira hamwe, tugatera imbere hamwe, iyo nkwambitse gutera imbere, iyo mpari mba nteye imbere, voila, l'union fait la force. Imbaraga zanyu ndazikeneye, imbaraga zanjye murazikeneye, dushyire hamwe kugira ngo dutere imbere, buri wese mu buryo bwe atere imbere. Rwose ndabakangurira, duhagarika ibintu byo kugenda tugura hirya no hino, tugurira mu bazungu, tugira kandi natwe ubwacu, twifitiye ibyacu, dufite produits zacu, nimutugane rwose, kandi turabategereje kugira ngo twakire komande zanyu. Ikintu rero gikurikiyeho ni iki, hariho banyandikiye ejo n'ejo bundi bambaza bati si watubwiye kuko iyo turi batubona udafite ibiheri nabiheri urwaye ko nabiheri urwaye, ndababwira nahubwo mureke kuvuga ndabikirutse na narwaye ibiheri byarantesheje narabuze icyo gukora ariko Imana yize amahirwe mbona ndabikize, nta kindi kintu special rwose hambaye nakoze. Natekereje ko cya mbere ngomba kuva ku mavuta nakoreshaga nkakoresha amavuta asanzwe, biriya bintu dukoresha les produits de capa c'est très mauvais, njye ndi temwe wabyo kuko byanyisha uruhu, ndavuga ni c'est pas possible, ni ukubigendera kure, ahubwo abazi abafite ikibazo cy'uruhu mubanze murebe ku mavuta mwisiga, nimusanga ari les produits de capa muhite muzihunga muzireke kuko ziri kwica impu z'abantu benshi, ndaje mbereke uwambajije ngiye kumusubiriza hano muri iyi video, j'en profite kugira ngo mpite mwerekera hano muri video. Ikintu cya mbere nkora pour soigner ma peau du visage, voila, ndabanza nkakaraba n'isabune. Uti se ukaraba iyihe sabune? Nkaraba isabune iri spécial, nabibabwira kose quand même spécial parce que ntago ari produit iri connu mu bantu, nkoresha isabune à base de lait de chèvre, savon à base de lait de chèvre. Iyi sabune ni isabune iri très riche, déjà ignore ça mais c'est très riche parce que à la base le lait est très riche en protéines. Et les protéines, c'est très important pour la peau. Protéines, zingomba no muri domaine médical, protéines ni ikintu gikoreshwa cyane. Ngewe nditemwe kubivuga kundi muganga dukoresha proteine mu bintu byinshi binyuranye, mu barwayi barembye, mu barwayi bafite ibisebe bidakira, mu barwayi bafite ikibazo cyo kunanuka cyane, mbese proteine tuyikoresha mu buryo bwinshi ku buryo njye mbonye produit ikoze à base de lait, c'est important, c'est très important. Kuyita nya docteur avuga ni je vais tester le produit. Iyo sabune rero ni sabune ikoze à base de lait de chèvre, ushobora kuyibona muri ntabwo ikunda kuboneka cyane ahantu henshi, ushaka kuyibona muri magazine zinyuranye cyangwa ukayibona muri online ukajya kuri Google ugashakora tes propres recherches cyangwa se haba ari undi uyishaka, nawe njyewe mfite ukuntu nzi ushobora kuzibona, ukankontakta inbox ukambaza uti ya sabune watubwiye à base de lait de chèvre, murabona ko hariho n'agashushanyo k'ihene, c'est pas pour mentir non plus, nkaba nayigushakira nkayikoherereza, wowe ugakora rupeyoma nkakoherereza isabune yawe. Iyi sabune ni isabune nziza. Ubwo rero icyo nkora ni iki, ndabanza nkakaraba nk'ubu ngubu nibavaga mukusheje ufe kwa fata isabune nkabanza nkakaraba nkakuraho mbese amavuta nisize yose, ubundi nkakurikizaho gukora isuwe ya gomaje. Ni gomaje ngiye nkoresha, gomaje à base de sel, uyu ni umunyu wo mu nyanja, niwo mfata. Parce que j'ai une peau très grasse, mon masque, je suis vraiment, je ne sais pas ce qu'il y a dans mon corps, mais j'ai trop de gras sur mon visage,
et ça fait que j'ai une peau très brillante. Mais tu managura, voilà, et ça fait qu'une petite mouvement, on est très sensible, on dira, il rit facilement. Alors nous mouvement, c'est la peau grasse au niveau du visage. Ubwo nyine murumva dufite ikibazo kimwe n'abakangurira kujya mukoresha gomaje y'umunyu kugira ngo ishobore no kugira inafasilita gukurura iyo ibyo binure biba biri mu mubiri parce que c'est quand même très acide mu munyu igakurura ibyo binure biba biri mu mubiri ikindi ça facilite yo gufungura les pores z'uruhu. Parce que les petits mouvements qu'on fait pour beaucoup avoir les peaux mortes, ça facilite l'ouverture des pores. Les pores du mouvement wacu, c'est tout kwenge tw'umubiri wacu turafunguka, iyo uri gukora tongomaje, noneho bigafasilita ko uruhu rwawe rurespira, na ya myanda igenda yikoragura mu ruhu itera l'infection y'uruhu ukagira ibiheri. Il soka facilement par la transpiration ou le fait que nous avons soigné le rouge bigatuma utarwara ibiheri. Iki kintu cyo gukaraba mu maso ukibuka gukora un petit gommage au moins 2 à 3 fois la semaine, petit gommage wenda une fois la semaine ukakora gommage tinda ituma le produit iba efficace ikora akazi kayo noneho les 2 fois zisigaye ugakora vite fait ubakaraba isabune ubundi ukigoma n'agasabune juste pour ukigoma n'uyu munyu pour faire les petits soins quotidiens et puis ukakurikizaho gukoresha iyo umaze gukaraba ngera ikintu nkora ni iki iyo umaze gukaraba passage input très sensible, Moriki. Je préfère ne pas sécher ma peau. Je préfère la garder mouillée parce que quand les pores sont ouverts, moi je recolle ton gommage, le reste de l'eau, il est coulé pour y a au moins là-bas, il hydrate. L'eau, il y a l'eau qui entre, qui pénètre, mouille les pores et puis ça hydrate la peau. Ça hydrate la peau. Et ça fait que ça nourrit la peau. S'il y a l'eau qui peut pénétrer, mourir les pores du mouvement, ou amaser, ou fungura, pas le fait que vous causez gommage. Ayo mange, les cheveux, le temps que vous soyez mouri douché, il y a si vous montez à la figure, avec vous amaser, vous caraba, il y a mange, vous qui hanagura han, à quel sujet vous amaser, vous caraba, vous tani hanagura kumanura, ahamba marete, nkabanza nkategereza ko amazi andi ku ruhu abanza akagira effet akabanza umubiri wanjye visage andi kwanza ka beneficia noneho l'excès ufite agasumekeza ka ubona ko kame muhamaze umwanya umaze gutunganya uruhu rwawe icyo ukora ni iki l'excès y'amazi nyine atumutse urayifata ufata esuie-mains keza k'umweru keza gasukuye ukihanagura cyangwa se abadashobora guhita babona esime isukuye neza utari siri y'isuku yayo ugafata via le français qui appelle ça les soparés les suites ukihanagura ukagenda ukoza kuko kameme les suites ntago ushobora kwanga ufite umwanda kimwe n'isume abantu bazi gufata kugira isuku y'isume neza abo ngabo ubwo baba bafite icyizere abatabishoboye ubwo ushobora gufata sopare ukihanagura gusa cyangwa nyine ugategereza kugeza wumutse ukanisiga ufite ayo mazi parce que n'ubundi les produits dukoresha zose ziba zirimo amazi alors nta kibazo biteye ikintu kindi nkora maze gukaraba mu maso maze gukuraho wa munyu ubwo twabanje gukaraba mu maso n'isabune bwa mbere ndangije nkora gomaje y'uruhu ni na wa munyu etape ya kabiri etape ya mbere nabanje ndakaraba etape ya kabiri nkora gomaje ya wa munyu nanone ndarensa ndakuraho wa munyu ndire ndakuraho n'amazi ndiyunguza etape ya gatatu mfata ya sabune ndakaraba nyongera hakaraba nkayisiga hose hose nka musa bese nkayimusa hose noneho nkategereza je rince pas j'attends
J'attends le savon agir. J'attends que le savon agisse. Disons 5 à 6 minutes. Je prends le temps vraiment de tendre que le savon réagisse. Parce que Nibani vous indique quoi est à base de lait de chèvre. Bandi kongomba n'undi kuyikoresha ikagira effet. Ubwo rero namara gukaraba nako namara gukaraba ahandi na yubwo gelence parce que mbazi ko yagize akazi akoza akazi kayo. Iyi sabune irimo proteine nyinshi, c'est très nourrissant pour la peau. Ndayibashimiye rwose, iyi sabune ndayibashimiye, ndayibashimiye parce que nkatwe turi mu myaka iri kugenda ikura kame muri ago tukiri bato ya imyaka yanjye ntago nyiri umuntu uvuga ngo mfite uruhu nduretse ngo rwakomeza rukamera neza. Ça me demande des soins, bisaba ko ngomba kurwitaho. Niyo mpamvu ngomba nkora ibyo byose. Iyi sabune rero kubera ko nyine avec l'âge na collagène y'uruhu rwacu igenda igabanuka, bisaba ko umuntu agomba kunurisa uruhu rwe par des soins. Amasabune nk'aya ngaya aba arimo izo proteine, ukanurisa uruhu rwawe. Ubwo iyo maze rero gukaraba gurumba etape ya mbere yari gukaraba n'isabune, ndarangiza nkakora gomaje y'umunyu, narangiza nkongera nkakaraba n'isabune nkakuraho isabune. Noneho etape ya nyuma ni mu gukaraba no gutunga usukura uruhu. Niyi ufata omiserere, njyewe n'adopte omiserere a base ya vitamine C. Ni antioxydant binanditseho rwose. C'est un antioxydant, nayo ishobora kwifasha gutuma umuntu atagira ibiheri parce que nyine iratukura uruhu kwa. Ibyo ni ntuza ndende cyane ku buryo nzagenda mbasobanurira produit par produit. Ubu ngubu j'essaie d'abréger, mais la prochaine fois je vais essayer d'expliquer produit par produit les effets du savon à base de lait de chèvre, les effets de ce gommage à base du sel, les effets à base de micellaire en vitamine C. Tout ça, je prends le temps produit par produit d'expliquer. Aujourd'hui, je ne peux pas tout expliquer, c'est trop d'informations et c'est pas non plus le but de vous booster de toutes ces informations en une fois. Mais avec le temps, je vais vous expliquer tout ce qu'il faut. Ubundi rero iyo maze nakoze ya etape yo kwihanagura, njye nkurikizaho iyi omiserere parce que l'omiserere iyo wihanaguje nyine ubwo akenshi ni muri ya phase n'ubundi yo kwihanagura, nubwo waba wihanaguje ya isitu de séparation par le comme la terre, hari iya les particules zisigara ku ruhu. Icyo nkora ni iki? Mfata koto nkayembiva iyi produit et puis nkongera nkanyuzaho nkongera nkanetoya uruhu avec l'eau de micellaire en base de vitamine C. Abantu murwara ibiheri, je vous conseille la vitamine micellaire en base de vitamine C parce que c'est un antioxydant très puissant, c'est très enrichi, c'est très riche en oxydation. En plus, c'est vitamine C, ça, c'est pas le produit des capas parce que c'est une vitamine C que tout le monde voit. Ça aide à éclaircir la peau, ça enlève les taches brunes, les taches noires, ça éclaircit la peau. Il y a des vitamines C, vous faites vos propres recherches et vous verrez vous-même que l'effet du vitamine C sur la peau, c'est extraordinaire. Moi-même, je croyais pas. Quand je commençais à utiliser ces produits, je me suis documentée, j'ai fait mes propres recherches parce qu'il me fallait un produit qui ne décape pas la peau parce que j'en avais marre de me décaper la peau. Et je trouvais le produit à base de vitamine C et j'étais épatée. Je me suis dit pourquoi ne pas le savoir bien avant. Mais il n'est jamais tard. Alors, iyo rero maze kwihanagura na omiserere, je fais quoi? Il y a ça. Vous verrez toujours que je suis avec les produits à base de vitamine C. Iyi Niveya, je vais vous étonner. Ça, c'est le produit que j'utilise sur tout mon corps. Sur tout mon corps, j'utilise le Niveya Kidis. Ça.
Le Nivea qui dit plus vitamine C. Vous le voyez vous-même. La dame qui m'a contacté hier et l'autre qui m'a contacté avant-hier, j'espère que vous allez pouvoir regarder cette vidéo parce que je vous ai répondu inbox, mais ce n'était pas suffisant. Je reviens pour vous montrer les preuves. Vous croyez peut-être que je vous mentais, mais ce sont les produits que j'utilise. J'utilise les produits à base de vitamine C. L'eau micellaire, il y a du vitamine C. L'eau micellaire, il y a du vitamine C. Vous voyez? Et là, il y a aussi du vitamine C. Il faut que vous le voyez de vos propres yeux. Mais mon eau micellaire, il y a du vitamine C. L'antioxydant vitamine C. En plus, cette eau micellaire, il y a trois différents antioxydants. Il y a la vitamine C, il y a la niacinamide, il y a le cranberry. Tout ça, ce sont ils sont très riches en vitamine C, et ça fait que le produit est vraiment très efficace pour l'utilisation sur notre peau. Alors là, il y a aussi ce produit d'ailleurs chimique. Il y a deux sortes de vitamine C, de bouteilles en vitamine C. Il y a une en blanc, il y a une en bleu. Le blanc, il n'est pas trop hydratant. Et le bleu, il est très hydratant. Et moi, je préfère bien hydrater ma peau. Comme je l'utilise encore sur mon visage, je préfère un produit qui hydrate bien ma peau. Parce que si je dois mettre le cerf sur ma peau, ça va sécher la peau. Et en plus, les savons que je laisse autant 3-4 minutes agir sur ma peau, tout sans les savons, ça sèche la peau. Il faut, après toutes ces étapes-là, hydrater la peau. Voilà, c'est ça mon hydratant. C'est ça mon hydratant. Je mets d'abord du vitamine C pour nourrir la peau. Après, en plus, la vitamine C, c'est contre les boutons. Ça c'est connu, vous faites vos propres recherches. Vitamine C, en plus, je fais en même temps la publicité de Nivea. Voilà, Nivea est un produit. Je n'ai jamais cru que mon achat puisse Nivea Moumance, je ne savais pas. Mais depuis que j'ai commencé ça, je suis témoin des dames, arrêtez de vous décaper la peau, optez pour les produits qui ne décapent pas parce qu'ils sont aussi efficaces. Ce produit Nivea à base de vitamine C, vous n'allez pas le regretter. C'est très bon. Et mon dernier hydratant, voilà, c'est toujours la crème à base de lait de vache. Le vitamine C, j'ai plus tendance à l'utiliser le soir. Et celui-là, je l'utilise la journée. À base de parce que j'ai quand même des fois peur que comme il y a des vitamines C, si je m'expose aux rayons solaires, ça peut peut-être causer des dégâts sur ma peau parce que j'ai une peau très sensible. Et la journée, j'utilise cette crème. C'est aussi à base de lait de lait de chèvre. Vous voyez que c'est écrit dessus, c'est à base de lait de chèvre. Alors là, ça hydrate, je sais pas comment vous l'expliquer, mais c'est très bien hydratant. Ça hydrate, c'est du waouh. Ça hydrate quand tu mets sur la peau. En plus, le savon, là, quand tu l'utilises, la peau est saine. Tu le sens toi-même que la peau est bien propre, bien nettoyée, bien saine, bien lisse. Et quand tu vas hydrater avec ça par après, parce que ça aussi, c'est fait à base de lait de chèvre, ce qui fait que c'est aussi très riche en protéines. Et ça, c'est dit. Voilà. Je dis rien parce que je sais pas quoi vous dire. Je vous le garantis, ce produit-là, il est waouh. Tout ce qui est, tu peux même ne pas utiliser le même produit, mais tout ce qui est à base de lait de chèvre, n'hésitez pas à utiliser ce savon, n'hésitez pas à utiliser cette crème parce que le lait est très riche en protéines et les protéines sont très bénéfiques pour la peau parce que les protéines, il est nourrissant, ça va nourrir la peau, ça va nourrir la peau de mon propre expérience.
Je sais que abarwayi tugira kwa muganga bafite les ulcères, les plaies qui ne se guérissent pas, tubagaburira trop protéines parce que ça a un effet sur la guérison des plaies, ça a un effet positif. Et voilà, ça m'a interpellé. Je me suis dit, si on utilise ça pour la guérison des plaies, pourquoi ne pas l'utiliser pour nourrir ma peau? Et de là, c'est là que j'ai bien constaté que c'est très bénéfique, c'est très, 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 très important d'utiliser les produits à base d'olive. Si vous pouvez les avoir, n'hésitez pas, changez tout ce que vous utilisez et optez pour les produits à base de vitamine C et les produits à base de lait de chèvre ou que ce soit aussi du lait de vache, pourquoi pas. Alors, étape et animal, nous sommes aussi entre parenthèses. Nous sommes en Rocco, je donne à une idée de tapis à son ramoumis, ça, zanza, jeune fille, charago, c'est qu'on est en basse nous, qu'on avait vousé, et qui nous dit tout manier à madame, tout bien de tri cramponna pour nettoyer et nourrir et faire ça et faire ça et ça et ça. C'est parce que nous avons du mal à contrôler la peau du visage, parce que les dames, il faut savoir que, abadamu tugira ukuntu tugenda dukura utangira uri muto uri umujene ufite inipo havisante ufite inipo idafite des problèmes uko tugenda dukura uruhu rwacu ruperda ikintu kiri très bénéfique ku buryo icyo kintu kukirekipera c'est pas donné c'est pas gagné il faut avoir il faut prendre les alternatives pour récupérer ce qu'on perd. Et c'est quoi ce truc-là? C'est du collagène. Le collagène, ntago najya kubasobanurira ubu ngubu. Le collagène, je vais vous expliquer c'est quoi le collagène. Pourquoi nous, les dames, à notre âge, moi, si bientôt je vais avoir 50 ans, je rêve pas avoir je suis pas dans les normes d'avoir une peau d'une fille de 20 ans, de 15 ans, de 20 ans, de 25 ans. Non. Plus on vieillit, plus on perd le collagène. Et le fait qu'on perd le collagène, le corps ne peut pas le récupérer parce que c'est quelque chose d'irrécupérable. Une fois que tu commences à perdre le collagène, il faut faire à tout prix pour récupérer ça, mais par d'autres moyens, parce que le corps ne sait plus produire le collagène. Le collagène, qu'on a dit que vous avez la goye, ou n'y a ni chose, avant nous avoir, comment ça se fait que tu fais tes vidéos, rien qu'à Kinyarwanda, il faut savoir qu'il y a d'autres qui parlent d'autres langues, le français et tout, qui te suivent, et alors essaye d'être souple comme ça tout le monde sait suivre mais c'est pas évident je vous dis honnêtement c'est pas évident de changer de langue à langue c'est ça te mélange quoi ça te mélange voilà et vous m'excusez pour ça vous finirez par me comprendre que c'est pas évident alors on était en train de parler du collagène les dames le collagène est très important pour les dames parce que une fois que tu ne prends pas des suppléments en collagène, c'est de là que tu vas avoir des signes de vieillesse sur ton visage, les ridules, les rides, les lignes tracées sur ton front, les joues tombantes, les ridules là, le cerne et tout. Et du coup, tu te dis, mais comment je peux me débarrasser de ça? Parce que quand même, c'est pas aussi le but qu'on voit nos dames avec des mirongo, avec des joues tombantes, on voit nos mirongo, collagène. Ça te fait ça te fait que nyine uragenda ukagutanga ukagenda ugasa ukuntu ubwo rero bisaba ko les dames iyo collagène tuba tugomba kuyifata ushobora kuyifata uyinyweye uretse ko byose nyine biragendana ugomba kuyinywa warangiza ukanayisiga kugira ngo bigire l'effet positif sur ta peau
kugeza ubu ngewe collagene nikoresha ninywa gusa ndayinywa ntago ni kuyisiga ntago nyisiga kubera ko nsigaye nisiga vitamine C na nkakoresha n'iriya produit à base de lait de vache. Je n'utilise plus les produits, les pommades à base de collagène, non. Mais les poudres, dans je consomme du collagène poudré. Et voilà, le collagène, je vous promets, je vais vous expliquer c'est quoi le collagène. La prochaine fois, je ferai la vidéo rien que pour ça. Je ferai la vidéo rien que pour le collagène. Il faut que je vous explique ce que c'est le collagène. Et voilà. On ne peut pas le faire maintenant, je suis désolée. Amasara kuze abantu muzajya ku kazi ejo. Mais je vous promets, vidéo y'ubutaha nzabasobanurira. Ubu ngubu mbasobanurira n'amavuta. Vidéo y'ubutaha, je vous promets. Je ne ferai même pas un live ku myenda n'ibiki nzicara. Fata umwanya ni connecte des live. Ça m'inquiète pas qu'on a connecté à qui à personne parce que par après je mettrai ma vidéo sur YouTube et je sais que vous irez regarder ma vidéo. Alors ne vous en faites pas pour ça. Nago muzarata iyo live nzaiba kurira mo vidéo mbashyirire kuri YouTube mubari ho muzajya muyikurikira ko nabonye ko ça ne sert à rien quand même yo kwandika abadamu. Ça ne sert à rien de vous habiller si je ne sais pas même vous apprendre comment prendre soin de notre corps, de nos visages, notre visage, parce que quand même une dame qui a un visage qui n'est pas bien soigné, c'est complexe, ça donne des complexes et du coup c'est pas le but non plus. Si j'ai des astuces, pourquoi ne pas partager toutes ces astuces avec vous? Pourquoi ne pas le faire? Moi, ça me dérange pas, ça me coûte rien. C'est vrai que le temps, c'est l'argent, mais si vous apprenez des choses par moi, c'est aussi bénéfique pour moi. Parce que si vous êtes satisfait, ça me fait plaisir aussi, hein. C'est ça. L'union fait la force. C'est ça qu'on nous a toujours dit, l'union fait la force. Il ne s'agit pas que de l'argent, non. Aussi bien que ça peut vous aider, ça m'arrange aussi, ça me fait du plaisir. Ok, alors le live ngiye kwihagarikira ha ubwo ubutaha tuzavuga ku kirebana na collagène n'ibi by'amavuta nabyo ngende mbihuza ngende mbisobanura neza. Je vais essayer de bien structurer tout le processus. Noneho n'abafite ibibazo muzambaza inbox nzabasubiza. Murakoze, mugire ijoro ryiza. Live tugiye kuyirangiriza kuko amasaha arakuze, hari abazazindukira ejo mu kazi. Il faut respecter ça aussi. Ubundi mbifurije amahoro y'Imana, mugire ijoro ryiza.